tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu dans mes derniers hauls, j'ai acheté des masques montagne jeunesse. J'en ai testé deux, donc celui fruit de passion et celui au citron. Du coup j'en ai racheté le deuxième kit qu'on trouve à Action. Enfin le deuxième kit, le deuxième duo qu'on trouve à Action. Du coup aujourd'hui je viens tester celui à la rose avec vous, parce que l'autre est à la boue, donc je le ferai une prochaine fois, pas pour aujourd'hui. Je voulais tester celui à la rose pour aujourd'hui. Donc cette fois-ci je me munis de ma paire de ciseaux, parce que la dernière fois j'ai voulu découper, enfin faire par moi-même, parce que vous avez des petits pointillés, mais tout s'est arraché, du coup j'en avais mis partout et j'avais percé le deuxième masque qui était sur le dessus. Donc on va éviter de faire la gaffe de la dernière fois. Donc on est parti pour le masque à la rose. Alors je vais mettre le produit au fond pour éviter qu'il m'éclabousse partout, et on va commencer. Alors en ce moment je vais vous faire plein de tests masques, parce que je teste ceux de chez Action. J'avais hésité à me lancer. Vous avez vu mes premiers tests qui étaient ceux au tissu. Et j'entends beaucoup parler de ceux de Montagne Jeunesse. Alors ceux-là je les avais déjà vus chez Claire's. Mais ils étaient beaucoup plus onéreux que à Action. Du coup j'ai testé ceux de chez Action. Alors, on voit la couleur déjà. Au moins, celui-là est coloré comparé aux autres. Alors, je sais pas si ceux-là sont effet peel-off. J'ai pas regardé sur le papier. Au moins, celui-là se voit. Mais vu... vu le produit, je ne pense pas qu'il ait un effet peel-off. Énormément. Il y a énormément de produits quand même. J'étale. Il m'en reste encore plein. Je vais mettre dans le cou aussi. Bien sûr, enlever tous ces bijoux, hein, je pense que ça vous le savez. Alors celui-là, il faut le poser 10 à 15 minutes. Celui de en bout, en fait, il fallait laisser 20 minutes. Alors du coup, je ne l'ai pas fait. Hop. Du coup, je vous retrouve après la pause. A tout de suite. Donc, me revoilà. Du coup, j'ai rincé le masque. Alors l'effet sur ma peau, elle est toute douce, donc c'est vraiment un masque pour l'hydratation de la peau, je pense. Après aussi j'ai remarqué, après je ne sais pas si c'est ça, mais je pense que si ça a fait quelque chose, j'ai fait un gommage avant le masque, un gommage à la pêche, parce que j'ai pas mal de pontons au niveau du menton, au niveau des pommettes. Et après le masque, j'avais des boutons blancs qui sortaient. Donc je suppose que le masque a fait aussi quelque chose sur les boutons. Donc j'en suis
plutôt contente. Je pense que je rachèterai ce masque après avoir si celui de Boo me convient aussi. Mais en tout cas, moi j'en suis satisfaite et je vous le recommande. Franchement, j'ai la peau toute lisse, toute douce. Elle est vraiment. Ça m'a fait vraiment une superbe peau. J'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire quels sont les masques que vous utilisez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!